Et salut salut tout le monde, ravi de vous retrouver donc aujourd'hui pour une petite vidéo sur Minecraft. J'espère bien sûr que vous allez bien. Bon en tout cas bah ça va super. Vidéo qui normalement si tout se passe bien sera assez courte, mais qui est donc en lien, vous l'aurez compris, avec les jeux Minecraft. Ça me paraissait important voilà de faire une vidéo là-dessus, voilà alors que nous sommes désormais en février 2023. Histoire voilà de faire un petit point là-dessus et aussi de remettre un peu tout ça à jour. Mais si je fais cette vidéo, donc c'est pour vous annoncer que les jeux Minecraft, bah, ça existe toujours et que je compte voilà, les reprendre pour la je ne sais pas combientième fois déjà sur la chaîne. Ça fait déjà, c'est pas la première fois que j'annonce cela. Mais en tout cas, cette vidéo-là, c'est pour justement vous annoncer ceci. Parce que voilà, c'est important de faire une mise à jour à propos de ça, sachant que la dernière émission Minecraft qui a été diffusée, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être début septembre dernier. Donc ça fait déjà plusieurs mois. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous annoncer voilà, que les jeux Minecraft sont toujours, on va dire, jouables, sont toujours disponibles, et que s'il y a des intéressés, évidemment, vous pouvez bah, y jouer, il n'y a aucun souci, bien sûr. Cette vidéo-là, en fait, tout simplement, c'est pour vous annoncer, on va dire, les modalités de participation, si on peut dire, pour savoir comment on peut participer. Et cette vidéo-là vaut, on va dire, pour absolument tous les jeux qui seront joués sur le serveur. Je ferai plus, on va dire, de vidéos, on va dire comme avant, on va dire pour chaque émission, on va dire que dès qu'une émission revenait pour une nouvelle saison, je faisais, on va dire, à chaque fois une petite vidéo pour vous dire ta ta ta, ce jeu revient, pour participer, vous devez avoir, etc. etc. Là, non, si vous devez, on va dire, si vous êtes intéressé par un jeu et ce, enfin, quel que soit le jeu, on va dire, ce sera donc cette vidéo-là qui sera, qui, on va dire, concernera tous les jeux pour savoir comment vous devez, qu'est-ce que vous devez, on va dire, avoir pour participer à ces jeux-là. Donc à savoir que actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, seul qui veut gagner des millions reste jouable. Hein. Saison 2 qui avait commencé l'année dernière et qui peut toujours se poursuivre évidemment au cas où de nouveaux joueurs voudraient évidemment participer. Cependant, ce ne sera pas seulement ce jeu-là qui bien sûr sera jouable bientôt. Hein. Il y aura notamment, je vous l'annonce, hein, Apprendre ou à laisser qui reviendra pour une saison 4, c'est désormais officiel. Apprendre ou à laisser reviendra bientôt sur la chaîne. Je peux pas vous dire de quand ça sera, on va dire, quand le jeu, on va dire, redeviendra jouable. Tout ce que je peux dire, c'est que ça reviendra, ça c'est sûr et certain. Lolo reviendra d'ailleurs en tant que banquier huissier dans le jeu, donc ça c'est très cool. Ça me fait extrêmement plaisir de nouveau à devoir bosser avec lui sur ce jeu. Donc voilà, il faudra que, évidemment que je parle avec lui pour savoir évidemment ce qu'il y aura à modifier, on va dire, pour cette émission-là. D'ailleurs, vous pouvez même aller checker, on va dire, un petit peu le plateau, qui est d'ailleurs depuis un petit moment à l'abandon, le pauvre. Faudra que je voie avec lui éventuellement ce qui pourra être modifiable, sachant que, bon, voilà, vous voyez déjà les prémices, hein, que la saison 4, ça faisait depuis un moment qu'on souhaitait la faire. Mais voilà, il faudra que je voie avec lui quelles petites nouveautés on pourrait éventuellement, on va dire, intégrer au jeu pour cette quatrième saison. Après, je préfère être honnête avec vous, je préfère vous le dire direct, ce ne sera pas une saison qui inclura 15 000 nouveautés. Déjà, on va réutiliser ce plateau-là, hein, le même qui avait servi pour la saison 3, justement. Je ne pense pas qu'en termes de décor, ça va beaucoup changer. Même en termes d'échelle des gains, je pense qu'on va garder la même. Mais voilà, évidemment, il y a encore des choses à préparer pour que tout soit de nouveau opérationnel. Donc à voir, hein, de toute façon, je verrai avec lui pour voir ce que lui... quelle nouveauté pour lui ça pourrait être assez sympa d'inclure. Moi j'ai déjà une ou deux petites idées, donc je verrai bien sûr cela avec lui et puis on fera le point évidemment avec tout ça, tout simplement. Donc voilà, ce jeu-là reviendra bientôt. Donc déjà, évidemment, même si pour l'instant le jeu n'est pas encore jouable, si vous êtes intéressé, pareil, vous pouvez bien sûr on va dire me demander pour, on va dire, si vous êtes intéressé, vous pouvez on va dire me demander sur Discord en privé que bah voilà vous souhaitez jouer. Dans tous les cas, vous serez inscrit et puis bien sûr dès que le jeu sera, on va dire, prêt, sera finalisé, je vous recontacterai tout simplement pour qu'on puisse bien sûr effectuer les tournages quand ce sera évidemment possible. Et donc j'en viens à enfin aux modalités de participation parce qu'évidemment il faut quand même y a quand même certaines choses qui sont nécessaires que vous puissiez jouer. Donc je le répète, tout cela est valable pour tous les jeux du serveur. Pour participer, c'est simple, vous devez bien sûr avoir la version Java de Minecraft, version premium, je précise, ce n'est pas possible de venir jouer sur le serveur si vous avez une version craquée du jeu. Hein, j'en suis désolé pour ceux qui jouent en version crack, mais ce n'est pas possible pour vous si vous jouez en version crack. Donc la version premium est obligatoire. Actuellement, le serveur se joue en 1.17.1,
Évidemment, ça, c'est quelque chose qui pourra être modifié éventuellement plus tard, si j'ai envie, de, bien sûr, de mettre une mise à jour, enfin, de mettre à jour le serveur. Actuellement, il est en 1.17.1, mais ça, évidemment, en cas où ça changerait, je vous invite à aller voir le salon, d'ailleurs, dédié aux jeux Minecraft, hein, sur Discord, où il y aura, bien sûr, bah, toutes les infos concernant les jeux, notamment bah, les infos concernant le serveur aussi. Donc, si vous voulez tout savoir et que vous êtes vraiment intéressé, surtout, n'hésitez pas à aller voir ça. Ce qui donc me fait penser bien sûr à vous dire que vous devez rejoindre le serveur Discord, c'est obligatoire aussi pour pouvoir jouer, c'est là que sont effectués les tournages, quand on a besoin bien sûr de se retrouver en vocal, c'est logique. Donc voilà, il n'y a pas forcément grand chose dont vous avez besoin pour participer, mais voilà, vaut mieux le dire. Donc Minecraft Premium Java, avec Optifine d'ailleurs, si vous pensez à l'installer, ce sera quand même beaucoup plus agréable aussi pour vous. Rejoindre le serveur Discord et puis surtout avoir un bon micro, c'est quand même bien plus agréable pour tout le monde quand vous avez, on va dire, un beau micro, parce qu'avec un son terrible, c'est vraiment pas ouf pour les tournages et ça n'aide pas. Donc voilà, pensez, si vous avez un micro pas terrible, ça risque d'être un peu embêtant aussi. Donc voilà, ça c'était, on va dire, les seules conditions à respecter qui sont voilà nécessaires pour pouvoir jouer. Si tout est bon pour vous et que vous êtes bien sûr intéressé pour pouvoir jouer à l'un des jeux, qui veut gagner des millions, que ce soit pour plus tard, pour apprendre ou à laisser, ou éventuellement d'autres hein, qui reviendront plus tard, n'hésitez pas, hein, vous pouvez bien sûr vous manifester soit dans les commentaires, ou alors le mieux c'est de me contacter en privé sur Discord, en me disant quel jeu vous intéresse, et puis voilà, comme ça après on s'organisera pour plus tard. Donc vraiment voilà, n'hésitez pas. Et puis, c'est sûr que c'était pas espéré au départ que je me remotive comme ça pour les jeux Minecraft. Hein, je l'avais même dit dans ma vidéo bilan 2022 que les jeux Minecraft, c'était pas sûr au départ que ça revienne pour cette année. Parce que j'avais un peu lâché l'affaire. Et puis même Minecraft, j'avais un peu lâché l'affaire aussi. J'avais même hésité à refaire des jeux, à faire revenir les jeux sur la chaîne, mais sous un format totalement différent. Et finalement, je suis plutôt rechaud, on va dire, remotivé pour les jeux Minecraft sous cette bonne vieille forme-là. Donc j'espère que vous serez nombreux à vous manifester. Hein. Alors évidemment, pour les jeux qui ont déjà été faits par certains, je laisserai la priorité à ceux qui n'y ont pas joué. Donc bien sûr, je ne ferai pas rejouer directement ceux qui n'y ont déjà joué à ces jeux-là. Ça dépendra, bien sûr. Je pense notamment à Qui veut gagner des millions. Mais la place sera faite d'abord en priorité aux nouveaux joueurs, et puis après, bien sûr, ceux qui ont déjà joué pourront éventuellement retenter s'ils le souhaitent, après avoir comment je ferai évoluer les jeux, tout simplement. Voilà, je pense avoir tout dit, donc encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en privé sur Discord pour qu'on puisse se mettre d'accord sur quel jeu vous souhaitez faire, sur quand vous pourriez être dispo éventuellement, et puis on se mettra évidemment bien sûr d'accord là-dessus. Et puis j'espère vous retrouver bien sûr d'ici très peu de temps sur les plateaux pour pouvoir jouer ensemble avec vous. Je pense que ça sera bien sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis écoutez les amis, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde !